Bonjour, dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer ce qu'est le structuralisme en moins d'une minute. Pour les structuralistes, la structure de l'esprit est basée sur la vision de Wundt, mais aussi sur l'associationnisme. Les sensations, les pensées seraient des structures de l'esprit, et ces structures interagiraient entre elles. On peut reprendre l'analogie du puzzle, où les éléments de base interagissent pour former un tout signifiant. Ou mieux encore, l'analogie d'une substance chimique complexe. Elle est constituée de composés chimiques individuellement identifiables et mesurables, mais lorsqu'ils sont mis ensemble, ils donnent une toute autre substance. Titchener va développer cette psychologie structuraliste. Chaque structure de l'esprit peut être appréhendée selon quatre propriétés distinctes: l'intensité, la qualité, la durée et l'étendue. La technique de prédilection pour étudier les structures est l'introspection. Il reprend donc l'idée de Wundt sur l'introspection, mais y ajoute un guide, une méthode stricte pour rapporter l'analyse réalisée. Merci d'avoir écouté la capsule. À bientôt.